Mesdames et messieurs, il a rassemblé 2 500 000 Français à la présidentielle 2022. Il est le président fondateur de Reconquête. Il a besoin de vous, aux côtés de Marion Maréchal, pour mener cette campagne européenne. Merci d'accueillir Monsieur Éric Zemmour.
et messieurs, le président fondateur de Reconquête, monsieur Éric Zemmour. Merci mes amis, merci beaucoup. Vous savez que je suis toujours heureux de revenir à Lille. Ça me rappelle des souvenirs absolument magnifiques. Moi aussi. Mes très chers amis, quel bonheur de vous retrouver ici. Moi aussi. Bon, vous n'allez pas le dire comme ça à chaque fois parce que je ne vais plus arrêter. Ah. Avant toute chose, je veux ici que nous applaudissions Marion Maréchal, notre tête de liste de Reconquête. Qui est aujourd'hui dans le sud, pendant que je suis dans le nord, vous voyez, tout change. Et qui mène une campagne courageuse malgré les embûches et les adversaires qui ne retiennent pas leurs coups contre elle. Applaudissons-la. Je veux que nous applaudissions aussi le reste de notre équipe, Guillaume, Nicolas, Stanislas. Vous pouvez l'applaudir. Et désormais, Sarah. Alors, on n'a pas de chance avec les femmes aujourd'hui parce que Sarah n'est pas plus présente que Marion ici, car nous devons nous démultiplier à travers tout le pays. Mais je veux aussi lui dire merci. Elle vient de se lancer en première ligne dans cette bataille et on ne peut pas dire qu'elle ait fait un choix de facilité. Ma chère Sarah, tu as fait un choix courageux, celui de soutenir notre liste aujourd'hui pour aider ce parti que tu as créé à remporter cette grande victoire. Je veux saluer aussi mon ami Patrick Jardin, le père de Nathalie, assassiné par un djihadiste au Bataclan. Merci de l'applaudir. Mes chers amis des Hauts-de-France, je sais que votre région est une terre de mission et je sais aussi que vous tenez bon. Je connais tout le travail effectué par vos équipes et je tenais à remercier personnellement les cadres qui font des Hauts-de-France l'une des régions les plus dynamiques de Reconquête. Mon cher, je te vois devant moi, mon cher Guy-Éric Imbert, j'aide, comme certains l'ont surnommé. Il faudra que tu m'expliques d'où vient ce dé. J'attends ton explication. Ta gentillesse et ta sensibilité te font aimer de tous ici, dans cette région, et merci pour tout. Cher André, merci pour ton temps, ton énergie et ta diplomatie. On en a souvent besoin. Depuis que tu as quitté Debout la France pour rejoindre Reconquête, tu n'as cessé d'être utile au parti par la qualité éminente de ton travail. Merci à vous. Ma chère Séverine,
Je te vois à ma droite, tu fais la timide. Depuis que Sarah t'a choisi pour animer les parents vigilants, sache que tu nous as tous les deux bluffés. Les parents vigilants filent la frousse à nos ministres de l'Éducation. C'est aussi grâce à toi. Merci à toi. Mon cher Romain de Laine, toi qui as subi une garde à vue pour avoir simplement dit la vérité sur Lola, sache que je suis fier de toi et que ta détermination t'honore. Mon cher Geoffrey du Pas-de-Calais, ton sérieux et ta connaissance des institutions européennes sont des atouts indispensables. Et je veux saluer ici ton implication. Enfin, je tiens à remercier les deux nouveaux arrivés, Laurent dans la Somme, Éric dans l'Oise, deux profils d'une grande qualité. Chers amis, bienvenue dans l'équipe et je compte sur vous pour créer la surprise le 9 juin prochain. Enfin, je veux adresser mes remerciements à toute l'équipe qui a travaillé pour que cet événement soit réussi, de mon très cher Olivier Hubeda et de nos très chers bénévoles. Oui, oui, vous pouvez les applaudir bien fort. Depuis 3 ans, toute une équipe s'active dans l'ombre à mes côtés, à Paris, dans le Nord et partout ailleurs. Je sais ce que je lui dois et je lui dis un immense merci. Je n'oserais dire le meilleur pour la fin, mais quand même, je veux vous demander d'applaudir les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes, les bénévoles du GSR qui nous protègent ici aujourd'hui. Merci pour eux. Ils sont en première ligne et ils ont droit à toutes nos reconnaissances. Je vais vous faire une confidence. Je m'étais promis de ne pas évoquer durant cette campagne des élections européennes la vieille querelle institutionnelle, vous savez, l'antique bataille entre les États-Unis d'Europe et l'Europe des nations. Oui, je m'étais promis de ne pas rejouer le vieux match qui avait animé ma jeunesse entre souverainistes et fédéralistes. Je voulais développer d'autres thèmes majeurs. L'islamisation de la France et du continent, bien sûr, d'abord, avant tout, le grand défi du XXIe siècle, mais aussi l'énergie ou encore l'industrie ou encore la dette. Je ne voulais pas que cette querelle institutionnelle permît à nos adversaires de nous enfermer dans la sempiternelle question Frexit or not Frexit. Je ne voulais pas leur permettre de nous caricaturer et de caricaturer nos positions. Je croyais, naïvement, je le reconnais, que nous pouvions trouver une position intelligente, mesurée, qui tenait compte des leçons du passé, de l'évolution des techniques, tenir compte à la fois d'un grand marché économique et de ses nécessités et des exigences de la démocratie. Bref, j'étais prêt, et je le suis d'ailleurs toujours, à chanter les louanges de la subsidiarité. Vous savez, ce concept inventé par l'Église il y a longtemps et que les pères de l'Europe, tous des démocrates chrétiens d'ailleurs à l'ancienne mode, avaient repris à leur compte. Subsidiarité. Vous avez remarqué que plus personne n'emploie ce beau mot. Et pour cause. C'est que les maîtres de l'Europe n'en sont plus là. Ils ne veulent plus partager le pouvoir. Ils veulent tout pour eux. Tout pour eux et rien pour les nations, rien pour les peuples. Ils ne s'en cachent même plus. Ils font voter des résolutions au Parlement européen et à l'Assemblée nationale pour annoncer ce qu'ils vont faire. Et ce qu'ils vont faire est simple. Ils vont supprimer le droit de veto des États, même pour les questions les plus essentielles, la politique étrangère et la défense. Bref, Bruxelles veut tout. Elle ne laisse même plus les miettes à nos vieux États. On leur fait encore trop d'honneur en qualifiant ces gens-là de fédéralistes. Car dans un authentique État fédéral, comme les États-Unis, les États ont des pouvoirs très importants en matière économique, éducative ou encore sociale.
que les États européens n'auront même plus. Pendant longtemps, on a cru que comparer la France à la Floride ou à la Californie était une bêtise ou une insulte. Désormais, on va regarder ces États américains avec envie. En vérité, nous n'avons pas affaire à des fédéralistes, mais à des jacobins qui veulent centraliser tout le pouvoir à Bruxelles. Des jacobins qui, comme leur modèle, parlent beaucoup de démocratie, de pouvoir du peuple, pour mieux les bafouer, pour mieux ignorer les volontés des peuples qu'ils conduisent. Les élites bruxelloises ont réalisé le rêve de toutes les oligarchies. Les peuples votent, mais ils s'en moquent. Les peuples élisent des dirigeants, mais ce ne sont pas eux qui les gouvernent. Les peuples veulent arrêter l'immigration venue d'Afrique, on les oblige à en faire venir toujours plus. Les peuples veulent manger des fruits de leur terre, ils mangeront de la viande canadienne, du poulet ukrainien ou brésilien et des fruits chiliens. Les peuples veulent encore rouler avec leur vieille voiture à moteur thermique, ils rouleront à l'électrique et, si c'est trop cher, ils s'achèteront un vélo. La méthode de nos eurocrates est simple et habile. D'abord, on étend toujours plus le nombre de pays qui entrent dans l'Union. On en est désormais à annoncer l'entrée de tous les petits pays des Balkans et puis demain de l'Ukraine ou encore la Moldavie. Peu importe que ces pays soient très pauvres, qu'ils vont absorber toutes les aides distribuées jusqu'à présent à nos agriculteurs ou aux anciens pays communistes, qu'ils ne respectent nullement les standards démocratiques de l'Union. L'important est de s'agrandir. L'important est de faire nombre. L'important, et vous allez comprendre la manœuvre, est de devenir encore plus ingérable qu'aujourd'hui. Alors, dans un second temps, on prend à témoin les opinions publiques. Franchement, nous dit-on, avec 30 pays autour de la table, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus avancer si chacun a son mot à dire, si chacun a son petit commissaire européen, si chacun a son petit veto, son petit égoïsme national, oui. C'est comme ça qu'on appelle à Bruxelles les intérêts supérieurs de nos nations millénaires. Malins nos technos, n'est-ce pas? Dans leur jargon, cela s'appelle l'agrandissement avant l'approfondissement. Après, il ne reste plus à nos gros malins qu'à attendre des moments opportuns pour s'emparer voracement des pouvoirs qui leur échappent encore. Il y a une épidémie de Covid, la Commission s'occupe des vaccins. Il faut renflouer les budgets après les trous énormes laissés par le quoi qu'il en coûte, la Commission décide un emprunt européen. Il y a la guerre en Ukraine, Madame von der Leyen se précipite à Kiev pour jouer au chef de guerre. Tout cela est contraire au traité, on s'en moque. La Cour de justice européenne est là pour donner un vernis juridique à ses coups de force. Les traités, on s'assoit dessus quand ça empêche Bruxelles de prendre plus de pouvoir. Les traités, c'est seulement bon pour interdire au gouvernement de rapatrier des compétences dans leur capitale. C'est tout juste bon pour faire taire les souverainistes. Les principes, la démocratie, l'état de droit, tous les grands principes, quoi. C'est seulement bon pour punir la Hongrie ou la Pologne quand on n'est pas d'accord avec leurs dirigeants sur l'immigration ou sur les revendications des LGBT. Mais pour réussir ce hold-up, il faut des complices. Et les complices ont pour nom la France et l'Allemagne. Ou plutôt, leurs dirigeants. Emmanuel Macron pour la France, évidemment. Angela Merkel hier, puis son successeur socialiste, Olaf Scholz pour les Allemands. Encore que ce n'est pas pour les mêmes raisons. Les Allemands savent bien pourquoi ils veulent donner plus de pouvoir à la Commission. La Commission, c'est eux. Autour de Madame von der Leyen, il n'y a que des Allemands. Ah, évidemment, ça aide pour défendre les intérêts de l'Allemagne et surtout de son industrie. Pour les Français, c'est autre chose. C'est une affaire idéologique. Emmanuel Macron, vous le connaissez, n'a guère de conviction. La plupart du temps, son fameux « en même temps » n'est que le masque de ses changements de pied et de son opportunisme. Mais il a une certitude, une conviction, un seul idéal, l'Europe. J'ai écouté, jeudi, Emmanuel Macron qui dissertait justement sur son thème favori à la Sorbonne. Ah, vous pouvez me féliciter. Ah, vous pouvez me féliciter parce que
Oui, oui, vous pouvez me féliciter de mon courage, vous avez raison. Parce que c'était long, très très long. Entre nous, interminable. Mais on a l'habitude avec lui, il ne sait pas faire court. Vous savez, Voltaire écrivait parfois à son amie Madame du Deffand et quand il écrivait une lettre trop longue, il lui disait « Pardonnez-moi, ma bonne amie, je n'ai pas eu le temps de faire court. » Macron, lui, ne prend jamais le temps de faire court. Il n'a pas ce talent ni cette élégance, pourtant si français. Mais est-il encore français? C'est la question que je me posais à la fin de mon discours. Bah, comprenez-moi bien, j'entends vos hauts. Je veux dire, se sent-il encore membre de ce peuple dont il est issu et de cette nation qu'il dirige? À l'écouter, la réponse ne s'impose pas naturellement. En tout cas, après 2 heures pendant lesquelles il a déclaré sa flamme à l'Europe, à notre Europe, comme il dit, avec une passion énamourée, la question se pose. Je ne voudrais pas qu'il y ait d'équivoque dans mon propos. Je ne lui dénie évidemment pas la nationalité française, ni même ne l'accuse d'être d'un quelconque parti de l'étranger. Il est même très français quand il parle d'Europe, avec ce mélange unique et désolant que Tocqueville reconnaissait déjà aux Français, qui sont, disait-il, aussi raisonneurs qu'ils sont déraisonnables. S'il avait voulu faire court, mais alors vraiment court, Emmanuel Macron aurait pu résumer son interminable discours en une seule phrase. Oui, oui, mes amis, en une seule phrase, et une phrase très célèbre dans un discours non moins célèbre de Victor Hugo. « Un jour viendra, disait notre grand poète, où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, toute nation du continent, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez une fraternité européenne absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces se sont fondues dans la France. » Oui, le très long discours de jeudi à la Sorbonne aurait pu être réduit à cette seule phrase de notre poète national. Victor Hugo a prononcé ce discours en 1849 dans un texte qui prétendait annoncer la paix sur le continent européen. Retenez bien la date, 1849. 20 ans plus tard, les Allemands réalisaient leur unité autour de la Prusse et commençaient alors 70 ans de guerre avec la France qui allait embraser l'Europe et le monde. Victor Hugo avait prophétisé la paix, on a eu la guerre. Il avait annoncé les États-Unis d'Europe, on a eu les nations européennes. Notre grand poète incitait la France à se fondre dans la fraternité européenne. Les meilleurs de ses fils sont tombés pour ne pas se soumettre au joug allemand. On ne peut pas mieux montrer l'écart entre la poésie et la prose, entre l'idéalisme et la réalité. Mais Emmanuel Macron n'en a cure. Il reprend, malheureusement sans son génie littéraire, les chimères de notre grand poète, quelles qu'en soient les conséquences pour notre pays. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Il n'a pas besoin de sauter comme un cabri pour clamer sa passion européenne. Pour lui, tout problème a une seule solution, l'Europe. Tout clou a un seul marteau, l'Europe. L'Europe est la bonne échelle pour tout. Quand l'Europe échoue, c'est que l'Europe doit changer de politique. Quand les nations échouent, c'est que la bonne échelle était européenne. Jamais, jamais il ne comprend ou ne reconnaît que la nation peut aussi être le niveau idoine, ni trop grand, ni trop petit, ni trop vaste, ni trop faible. Il ne veut pas voir que les petites nations européennes ont montré dans le passé qu'elles pouvaient être plus souples, plus agiles que les mastodontes impériaux qui les affrontaient. Jamais il n'engagera une politique, ne lancera une idée, ne fera une proposition dans le seul intérêt de la France. Je n'insinue aucunement qu'il soit systématiquement hostile aux intérêts de la France, mais j'affirme que tout est d'abord jugé par lui à l'aune des intérêts de l'Europe. Si cela peut accessoirement être utile à la France, tant mieux. Mais si cela doit lui être nuisible, tant pis. Il parle de la France, mais il dit notre Europe.
dans sa bouche, la France ne sert plus à rien, ne peut plus rien faire, ne doit plus rien faire. Ou plutôt, il lui garde un seul rôle historique, faire l'Europe. Que meure la France pour que naisse l'Europe. Emmanuel Macron devient presque mystique quand il parle d'Europe. Impôts, épargne, armée, diplomatie, justice, police, santé, il ne doit rien rester à l'État-nation. Tout doit être de la compétence de l'Europe. Emmanuel Macron veut lui-même se dépouiller de son droit de veto en matière de politique étrangère, c'est-à-dire qu'il accepte que son successeur ne puisse plus mener une politique étrangère française sans demander l'autorisation au Bundestag allemand ou au Parlement européen. Et quand il dit que la dissuasion nucléaire française est un élément incontournable de la défense du continent, on se demande à qui il compte un jour confier le bouton atomique français. Parfois on a même l'impression qu'il est victime de dédoublement de la personnalité. On croit qu'il est soudain devenu chancelier de l'Allemagne fédérale lorsqu'il parle avec regret, je le cite, de notre dépendance aux hydrocarbures russes. Pourquoi ce nous ? Ben non, monsieur Macron, nous les Français n'étions pas dépendants aux hydrocarbures russes. Ben, ce n'est pas de notre faute si les Allemands ont préféré être dépendants du gaz russe plutôt que du nucléaire français. Voilà un homme qui a bataillé pour devenir président de la République française, pour se faire réélire, et qui n'a de cesse que de se dépouiller un à un de ses pouvoirs pour les confier à l'Europe. À l'entendre, on comprend que pour lui, la nation française n'est plus qu'une grande région comme la Bourgogne ou l'Alsace, et le président de la République n'est donc plus qu'un président de région. Emmanuel Macron a borné de lui-même son ambition. Il se voit comme le président d'un land allemand ou le gouverneur d'un État américain. Peut-être un jour, se dit-il, quand je serai grand, je deviendrai président de l'Europe, de notre Europe. Dans le combat titanesque qui a vu s'affronter après-guerre, le général de Gaulle à Jean Monnet, le libérateur de la patrie au père de l'Europe. Emmanuel Macron est l'ultime arme posthume de Jean Monnet pour abattre ce qui reste de l'héritage du Grand Charles. Mais de quelle Europe nous parle-t-il ? De quelle Europe rêve-t-il ? De l'Europe des cathédrales ou des monastères ? De l'Europe de la Renaissance qui redécouvre la philosophie grecque ? De l'Europe des Lumières qui parle français, qui lit Voltaire et Rousseau ? Ou de l'Europe des peuples qui se révoltent contre les rois ? Rien de tout cela. L'Europe, pour Macron, est une grande carte posée devant lui, entre la mer et l'Asie. Mais on a l'impression, à l'entendre, que cette Europe est une terre vierge, sans passé ni racine. Oh, il a 20 sur 20 en géographie, mais 0 en histoire. Remarquez, ça fait 10 sur 20 en moyenne. L'Europe, nous dit-il, est le continent de l'homme libre et rationnel. Ah, son homme libre et rationnel ne tombe pas du ciel. Il ne sort pas de nulle part. Il est le fruit, justement, d'une longue histoire, d'une brillante civilisation, produit de la rencontre du christianisme et de la pensée grecque. Son individualité s'est épanouie au sein de peuples façonnés par l'histoire qui se sont battus collectivement pour s'émanciper et se donner des institutions qui garantissent ses droits. C'est là tout le problème de l'utopie macronienne. Son homme libre et rationnel est un homme sans racines ni passé, sans peuple ni nation, un homme déraciné qui ne vient de nulle part et qui va nulle part. C'est un homme qui n'existe pas, membre d'un peuple qui n'existe pas pour forger une nation qui n'existe pas.
Il faut, nous dit-il, créer un démos européen. Vous l'avez compris, cela signifie qu'il veut inventer un peuple européen. Macron a des ambitions de démiurge. Macron se prend pour Dieu. Jadis, le général de Gaulle disait « On ne fait pas d'omelette avec des œufs durs ». Justement, pour se moquer de ces esprits chimériques qui veulent ignorer les réalités des peuples et des nations. Macron, lui, nous assure qu'il a trouvé la recette de l'omelette avec des œufs durs. Il devrait se faire inviter à Top Chef. Comprenez-moi bien, mes amis. Il ne s'agit pas seulement d'une querelle théorique, d'une discussion philosophique. Il y va de notre vie, de notre existence de citoyens. Il y va de notre démocratie. Car qu'est-ce que le fondement de la démocratie ? Si ce n'est que, au soir des élections, la minorité accepte sa défaite face à la majorité. Et si la minorité accepte sa défaite, c'est qu'elle considère, après avoir digéré sa déception, qu'elle fait partie du même peuple que la majorité qui l'a emportée. Ce non-dit est le fondement de notre démocratie, qui empêche que les affrontements politiques ne tournent à la guerre civile. Or, s'il n'y a pas de peuple européen, il ne peut pas y avoir de démocratie européenne. La minorité n'acceptera jamais sa défaite, car elle estimera que la majorité est étrangère. La démocratie européenne est une illusion, car le peuple européen n'existe pas. Macron, comme tous les européistes, fait mine de s'en plaindre. Il l'évoque avec des trémolos dans la voix, le déficit démocratique. Il plaide pour toujours plus de démocratie. Mais ne vous leurrez pas. Il y en a que cela arrange bien. Il y en a qui sont bien contents qu'il n'y ait pas de réelle démocratie européenne. Il y en a qui sont ravis de faire leur petite cuisine sur leur petit feu, de pondre leur petite directive à l'abri des regards, de rédiger leurs arrêts dans leur petit bureau de juge, loin des passions populaires. Ils réalisent ainsi le rêve de toutes les oligarchies, diriger les peuples sans leur rendre de compte. Ce rêve des technocrates bruxellois et des juges européens est devenu le cauchemar des peuples et de la démocratie. Je pose une question. Je pose une question simple. Où est la séparation des pouvoirs, cher à Montesquieu, dans une commission qui dispose à la fois du pouvoir exécutif, mais aussi du pouvoir législatif et d'une partie du pouvoir judiciaire? Où est le respect des traités quand la commission s'arroge des compétences qu'elle n'a pas? Nous sommes dans une Union européenne qui prétend défendre les principes de la démocratie libérale inventés en Europe, mais qui ne les respecte pas elle-même. Nous avons affaire à une Commission européenne qui passe son temps à donner des leçons d'état de droit au monde entier et qui n'en respecte pas les principes fondateurs. Alors me direz-vous, que devons-nous faire ? Le contraire. Quel chemin devons-nous suivre ? Le chemin inverse. Nous devons en effet considérer que l'Europe est notre civilisation, mais n'est ni un peuple ni une nation. Nous devons considérer que nos peuples et nos nations, fruits d'une histoire millénaire, sont une richesse et non pas un obstacle. Nous devons revenir aux sources de la démocratie, qui repose sur les suffrages des peuples et non pas sur l'idéologie progressiste des technocrates et des juges. Nous devons tout faire pour enrayer cette mécanique devenue folle. Pour cela, nous devons récupérer le maximum de compétences en matière d'immigration ou d'industrie, d'énergie ou de santé. Car contrairement à ce que croit Emmanuel Macron, l'échelle de la nation est souvent plus souple, plus agile, plus démocratique, bref, finalement plus efficace. Nous devons nous émanciper de la tutelle des juges européens, que ce soit la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme. Nous devons modifier notre Constitution pour que notre Parlement ait le dernier mot face aux désidérata des juges, que ceux-ci soient français ou européens.
L'État de droit, ce n'est pas le gouvernement des juges. La démocratie, ce n'est pas la soumission à l'idéologie progressiste des technocrates et des juges, mais la volonté des peuples exprimée dans les urnes. Nous devons nous opposer à ce coup d'État permanent de la Commission. Nous devons supprimer la Commission européenne, purement et simplement. La Commission européenne ne doit être que le secrétariat des États, que l'exécutant de la volonté des nations. C'est d'ailleurs ce que souhaitait en son temps le général de Gaulle. Non, Ursula von der Leyen n'est pas et ne sera jamais notre chef. Elle est notre employée et elle doit le rester. Cette commission qui soumet nos nations, cette commission qui finance les frères musulmans, cette commission qui soutient le wokisme dans les universités, il faut la mettre hors d'état de nuire. Nous devons le faire pour deux raisons. La première, je vous l'ai dit, c'est que la démocratie n'y survivrait pas. La nation est, je le répète, le seul espace où la démocratie peut s'exercer. On le voit déjà, nous ne vivons plus vraiment en démocratie, mais sous le règne d'une technocratie bruxelloise, d'une oligarchie judiciaire qui impose au peuple leurs lois, leurs normes, leurs convictions, leur idéologie. Et puis, il y a une seconde raison. C'est ce que nos nouveaux maîtres, qui se croient des êtres supérieurs, accumulent les erreurs et les bourdes. Lorsque Jean Monnet, le père de l'Europe, a mis sur les rails les premières institutions européennes, il s'appuyait au moins sur son expérience des deux guerres mondiales pour convaincre qu'à plusieurs, on était plus fort et plus efficace que tout seul. Mais depuis 30 ans, depuis que nos technocrates et nos juges européens se sont affranchis de la tutelle des États, ils ne provoquent que des catastrophes. Au nom de la concurrence, les technocrates ont empêché l'édification de champions industriels européens. Et c'est parce que les États, récemment, en l'occurrence la France et l'Allemagne, ont fait pression sur cette commission pour qu'elle change ses règles, parce que les États et des nations ont tordu le bras à la Commission et transgressé les traités, que la France et l'Allemagne peuvent désormais subventionner les investissements pour installer de nouvelles usines de batteries ou de voitures électriques sur leur sol. Au nom du libre-échange, la Commission a favorisé la concurrence chinoise et américaine sur notre propre continent. Au nom de l'aide à l'Ukraine, elle a obligé les Européens à leur payer leur gaz beaucoup plus cher. Au nom des droits de l'homme, les juges européens empêchent la police des frontières européennes Frontex de refouler les migrants illégaux. Au nom de l'écologie, la Commission a accablé les paysans de tout le continent de normes qui ont saccagé la compétitivité de notre agriculture et ont obligé les habitants de l'Union à consommer des fruits, de la viande, du poulet gorgés de pesticides et le plus souvent d'un goût médiocre. Voilà les brillantes réussites de nos grands esprits. Et ils veulent continuer. Ils veulent toujours plus de pouvoir. Ils exigent désormais de s'occuper de tout, de nos armées, de notre industrie de défense, de notre diplomatie. Pas touche ! Pour nous appâter, Macron nous parle de préférences européennes dans les secteurs stratégiques comme le spatial ou la défense. En clair, il nous dit que les Européens seront désormais obligés d'équiper leurs armées de l'air avec des rafales français au lieu des F-15 américains. Mais qui le fait ? Les Grecs. Mais à part les Grecs, personne. Ce sont des pays extra-européens, l'Inde, l'Indonésie, l'Égypte, les Émirats arabes unis, qui ont fait le succès du rafale. Tandis que tous nos voisins, de l'Allemagne à la Pologne, préféraient acheter des avions américains. Alors, Macron sort son joker, la coopération avec l'Allemagne. Mais l'avion du futur, vous savez, le fameux avion du futur franco-allemand, reste depuis des années à l'état de projet. Chez Dassault, on le sait bien et on le dit,
de plus en plus fort. La coopération franco-allemande en matière d'avions de guerre ne marche pas. La défense européenne est un mythe français et le restera tant que nos voisins préféreront s'équiper chez l'oncle Sam. On pourrait ainsi multiplier les exemples en matière d'agriculture ou de santé. Contrairement à ce que nous serine notre président, l'Europe est la cause de nombreux ratages. Car l'Europe est une machine technocratique qui s'est laissée gangréner par l'idéologie. À l'idéologie, vous savez, c'est la volonté d'imposer aux hommes ce qu'ils ne veulent pas, ce à quoi ils n'ont même pas songé. L'idéologie, c'est modifier le réel par la seule force du verbe. C'est nier le réel pour mieux lui imposer sa volonté. L'idéologie, c'est la phrase célèbre, vous savez, qui ouvre le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. D'abord, écartons tous les faits. Bah, évidemment, après ça, c'est plus facile. L'idéologie, c'est fermer les centrales nucléaires alors qu'elles ne polluent pas. C'est saccager l'école et l'ascenseur social sous prétexte de favoriser l'égalité. C'est tuer la démocratie au nom de l'état de droit. C'est laisser les frontières ouvertes aux quatre vents, par altruisme pour les pauvres du monde entier, en laissant les nôtres mourir dans la rue. C'est laisser violer les femmes par des migrants au nom du féminisme. C'est laisser assassiner des hommes au nom de l'humanisme. C'est dire à un petit garçon de 8 ans qu'il est en fait une petite fille au nom de la liberté de choix. Aujourd'hui, l'Union européenne se gorge d'idéologie. Idéologie droit de l'hommiste, antiraciste, wokiste, écologiste, libre-échangiste, mondialiste. Le pire, c'est quand l'idéologie s'empare des cerveaux censés être les plus rationnels. Vous savez, ces esprits forts qui prétendent que la politique est la gestion des choses et non pas la gestion des hommes. Vous aurez reconnu nos chers technocrates. Quand les têtes froides des technocrates se piquent d'idéologie, le cocktail est explosif et toutes les catastrophes sont possibles. Alors, en juin, il s'agira d'abolir cette mauvaise Europe, celle qui laisse faire l'islamisation, celle qui nous harcèle, celle qui nous contraint, pour sauver la bonne Europe, la belle, l'excellente Europe, l'Europe miraculeuse. Cette Europe-là, notre civilisation, notre fierté, notre génie est en danger de mort. Nous allons effacer la mauvaise Europe parce que c'est le seul et unique moyen de sauver la bonne Europe. J'ai confiance en vous. Permettez-moi d'insister sur ce point. Voilà un peuple à qui on ment tout le temps et sur à peu près tous les sujets. Voilà un peuple qui est torturé jour après jour par les mensonges de la politique et des médias. Voilà un peuple qui est humilié, dégradé, sali par ses mensonges et malgré tout cela, non seulement il reste digne, mais de surcroît, il parvient à dénouer tous ces mensonges, à les décrypter, à les annuler. Dans un tel océan de mensonges, il parvient à ne pas se noyer. Dans cette forêt sans fin de mensonges, il parvient à se diriger et à survivre et à garder espoir malgré la souffrance. Vous ne trouvez pas cela extraordinaire ? Moi, si. Je trouve ça absolument admirable. Je veux que les Français sachent que je les admire. Leur lucidité, leur intelligence, leur courage face aux mensonges sont pour moi une vraie raison d'espérer. Sans leur lucidité, tout serait foutu. Je m'adresse aux électeurs proches de nos idées. Vous qui me faites confiance depuis des années, vous êtes des gens de bonne foi. Vous ne vous perdrez pas dans de minuscules calculs électoraux sur le vote utile. Vous avez compris que le vote soi-disant utile est précisément le vote inutile. Oui, mes amis, quoi que vous racontent les faux habiles et les vrais menteurs, le vote Bardella est le vote inutile par excellence. Inutile en France, car la victoire du Rassemblement national aux européennes n'entraînera aucune conséquence pour Emmanuel Macron. Il ne démissionnera pas, il ne dissoudra pas l'Assemblée nationale. Le RN a déjà gagné les européennes en 2014 et en 2019.
Est-ce que cela a empêché Macron de l'emporter deux fois à la présidentielle, de battre deux fois Marine Le Pen, de la vaincre au débat d'entre-deux-tours comme dans les urnes? Non. Vote inutile en France, mais vote inutile en Europe. Les députés européens du Rassemblement national se retrouvent dans un groupe qui est isolé, ostracisé. Ils ne peuvent s'allier à aucun autre groupe. Leurs députés, aussi nombreux soient-ils, ne serviront donc à rien. Ouais, vous pouvez applaudir. En revanche, les députés Reconquête s'agrégeront à un groupe où ils retrouveront les Italiens de Meloni et les Hongrois d'Orban. Ce groupe n'est pas isolé ni ostracisé au Parlement européen. Il a des contacts réguliers avec la droite du PPE. Vous savez, ce groupe de centre-droit où certains, Allemands et autres, commencent à en avoir marre de voter avec les socialistes, les Verts et les Macroniens. Ceux-là pourront demain s'unir avec nos amis du groupe ECR pour renverser la table et forger une majorité de droite au Parlement européen. Alors nous pourrons utiliser ce Parlement pour arrêter l'immigration illégale, pour faire repartir les migrants au lieu de les répartir dans nos pays, pour cesser d'accabler nos agriculteurs et nos industriels de normes, qu'elles soient écologiques ou diversitaires. N'oubliez pas qu'une majorité des lois françaises votées par le Parlement français ne sont que de simples traductions et adaptations de textes d'abord adoptés par l'Europe. Alors, cessons de subir ces législations qui nous déplaisent. Cessons de subir l'idéologie de gauche et imposons à Bruxelles et à Strasbourg, avant de le faire à Paris, nos idées, notre réalisme, notre amour de nos nations, de notre liberté et de notre civilisation. Vous ne trahirez pas vos idéaux pour suivre le vent des sondages. Vous êtes lucides. Vous savez que seule la vérité peut résoudre vos problèmes et que la vérité est de notre côté. Seule la vérité est révolutionnaire. Seule la vérité nous rendra libres. Vous avez compris que dans la situation où est la France, l'hypocrisie politicienne mène au pire. Vous allez voter comme vous pensez et non comme le mensonge généralisé vous dit de voter. Alors, plus une minute à perdre. Il nous reste 45 jours. 45 jours pour que vive la liste Reconquête conduite par Marion Maréchal. 45 jours pour que vive la civilisation européenne. Et surtout 45 jours pour que vive la France !